Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes maintenant rendus à la semaine de lecture et j'ai placé ici les éléments qui peuvent vous permettre d'avancer. Alors, on les présente. Bon, d'abord, on revient sur le texte hein, qu'il faut terminer selon votre niveau, là. Et je suis en mode étudiant, mais je n'ai pas accès aux informations. Donc, vous pouvez avoir accès à vos données, à vos informations. Vous allez trouver ici la date de remise et les instructions. Ensuite, cette semaine, vous pouvez continuer, non pas le forum du cours, on va prendre une pause pour le forum du cours, mais votre journal de bord, ça c'est possible. Si vous allez faire de l'engagement communautaire parce que vous avez manqué une semaine dans les semaines précédentes, mais vous pouvez faire du travail ici, dans votre forum ou dans le journal. Ensuite, vous avez un texte à lire. Oui, l'empathie, cela s'éduque, qui se trouve dans Perusall. Alors, c'est aux pages 10 à 13 et il y a quelques questions dans le texte. Ensuite, la semaine prochaine, ben, tranquillement, vous allez pouvoir faire le portfolio vidéo 2 qui est ici, qui est à remettre le 24 mars. Donc, vous pouvez toujours voir les dates de remise ici, hein. Je reçois des MIO à l'occasion pour savoir quand il faut remettre. Eh bien, vous le voyez ici. Et là, vous allez présenter un bénéficiaire. Donc là, il faut être allé quelques fois, pas seulement une ou deux fois, hein. Si vous me présentez quelqu'un, c'est parce que vous êtes allé quelques fois pour pouvoir parler de cette personne. Donc, voilà pour la semaine prochaine. Et on va poursuivre aussi le forum à ce moment-là. Je vais le déplacer, le forum, pour parler de vos perceptions envers les francophones, par exemple. Ensuite, il y aura un examen de lecture. Ah, on ne peut pas le voir parce que je suis en mode étudiant. Attendez, je vais reprendre mon rôle normal. Et on va se rendre à la semaine ici. Il y a des instructions pour les niveaux 100 et 101. Vous allez avoir une rencontre avec les collègues de Bois de Boulogne. Donc, le niveau 102 et 103, vous n'êtes pas concernés. Mais 100 et 101, vous avez des vidéos qui vous présentent la plateforme et comment joindre une rencontre. Alors, vous pouvez écouter les deux vidéos pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez ici les instructions aussi et les questions de Fast Friends. Et vous avez 2 semaines. Hein. Vous avez jusqu'au 24 mars pour prendre contact, donc prendre un rendez-vous avec cette personne et faire le jeu en français et en anglais dans la plateforme. Donc je vous réfère ici aux vidéos, aux deux vidéos qui se trouvent ici. Ensuite, là, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas dans la plateforme, c'est correct. Mais l'examen de lecture, il est ici. Donc, si vous êtes 101, vous allez faire cet examen-là. Et si vous êtes 102, vous allez faire cet examen-là. Et vous allez voir donc les questions. Donc, si je clique ici, c'est à partir du 18 mars jusqu'au 24 mars. Vous allez avoir 2 heures pour faire l'examen. Donc, quand vous vous installez, vous avez 2 heures devant vous. Vous êtes prêt à travailler pour 2 heures. Ça va peut-être prendre un peu moins de temps, mais ça ne devrait pas prendre plus de temps. Et vous allez trouver des questions le 18 mars, mais donc il faut avoir lu la pièce de théâtre Corps Titan. Et je vous recommande fortement, en fait, il y a le 25% des notes qui portent sur le travail que vous allez faire dans Perusall. Et pour ouvrir donc le texte, vous y aurez accès ici. Donc, si vous avez payé pour Corps Titan, vous avez accès. Si vous n'avez pas payé encore Corps Titan, vous ne pouvez pas faire les annotations. Donc, on veut, c'est pas 4, c'est 5 ou 10 selon votre niveau. Vous allez voir dans les instructions. Commentaires, questions ou réponses à des commentaires dans le texte. Donc directement quand vous entrez.
Je vous rappelle que vous pouvez faire des commentaires ici. Vous entrez dans le texte. Par exemple, si je sélectionne un mot, je peux faire un commentaire. Donc, soit une question, soit un commentaire, soit répondre à une question. Donc, il faut qu'il y ait déjà un commentaire et après, vous allez pouvoir répondre à la question d'un collègue. Donc, voilà. Et si vous voulez me transmettre votre facture de corps titan, c'est ici dans la semaine 1. Vous allez déposer le PDF ou télécharger, voici plutôt, télécharger la preuve d'achat. Vous allez placer un PDF, une photo ou un PDF de votre facture. Donc, pour l'instant, ce n'est pas tout le monde qui a payé et il faut payer avant de faire l'examen. Alors, voilà, c'est très important. Voilà, alors bonne semaine et à bientôt.